Ouais, pas en mesure de tout pourvoir, ouais, ça c'est chiant. On est bien au max là. Oui, on est au max. C'est problématique ce manque de main-d'œuvre. À faire travailler les femmes. Tutelle légale, on va faire femme propriétaire. C'est moins de natalité, mais ça ouvrira droit des femmes à travailler. À moins que. C'est trop tard, j'ai pensé à la techno, c'est pas grave. Ce qu'il faudra que je fasse après, c'est pas de contrôle migratoire. Comme ça, tout le monde viendra et. Et ça me fera beaucoup plus d'entrée. D'entrée de population. Ah, t'es un premier quoi, 24,3, c'est fou. Ça, c'est le marché français, mais bien. Après aussi au niveau du salaire ils sont bien les salauds. Ah ouais c'est 5054 de productivité par rapport au bâtiment moyen. 1054%. Oh là 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 là. Attends les mecs ils arrivent dans le pays, ils sont embauchés direct hein. Chômage très très bas hein. Le duel entre l'église catholique et le propriétaire terrien. Oh bah battez-vous les gars. Écoutez, vous m'intéressez pas. Faire un wagon en acier. Toujours mieux que des wagons en bois. Bon, un wagon en bois c'est toujours mieux que rien. Allez les gars, il y a du sans-emploi, mais ça recrute ici. Allez. Allez, allez. Ça recrute. On va pouvoir commencer une nouvelle manufacture de meubles. Je mettrai en pause au cas où, mais ça devrait être bon. La verrerie devrait avoir tout. Mais recruter, mais allez travailler les gars. Quoi, c'est pas assez payé à votre goût? En vrai c'est peut-être ça. Premier degré, c'est peut-être pas assez payé à leur goût. Ok, on économise du travailleur. Là, niveau rentabilité, ce bâtiment, il est bien. Tu m'étonnes. J'aimerais savoir quelle est la première. Quel est le bâtiment le plus productif mondial, quoi. Qui c'est qui. Qu'est-ce qui me bat? Ah, j'aimerais bien savoir. C'est pas grave. Plus 60 d'urbanisation, pas mal. Ah oui, il faudrait que je fasse un suffrage censitaire ou universel. Oh, on fera ça. Pas intéressant, j'ai pas de. Je n'ai pas accès à la mer, donc toutes ces technologies-là m'intéressent pas vraiment quoi. Ah! Ça y est! Ah non, j'ai cru. La verrerie a presque tout pourvu. Faire de la liquidité, mais ça devrait un peu augmenter. Hop, alors on va mettre en pause. Attends. Ah merde, pénurie de teinture. Et ça c'est chiant, c'est que je peux rien y faire. Va falloir importer de la teinture, mon gars. C'est passé rapidement. Alors, route d'importation. Ouais, je vais t'aider. Hein. Teinture, 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 teinture. Quantité.
pas ouf. Faudra un marché assez stable. Le marché Oyo? Je crois que le marché Oyo, il est là. On va voir si ça va les peut-être les pousser à produire un peu plus de teinture. Et à devenir un bon importateur. Putain, il veut faire une université, mais j'ai rien pour pouvoir les postes. En vrai, c'est bien, hein, mais j'ai rien pour... j'ai personne. J'ai personne qui peut y travailler. J'ai pas envie qu'ils quittent les autres postes pour travailler là, quoi. Techno, non, c'est pas techno, c'est loi. Contrôle migratoire, aucun contrôle migratoire, voilà. La petite bourgeoisie sera pas contente, j'en ai rien à foutre. What? Oh, le salaire des gouvernementaux, oh mon salaud. L'université est pique, hein. Bon, après, c'est la sortie des employés, je ne sais pas d'où. Ça me les a fait arriver, mais en flèche. Ouais, excellent. Vut. Donc j'ai l'impression. On va voir ça. Là, je vais reprendre la manufacture de meubles. En fait, j'ai l'impression que les mecs, ils vont arriver en masse. Alors, je sais pas si c'est... c'est vrai ou pas. Mais dès qu'il y a du taf, ça a l'air de réaugmenter la population, mais de manière assez impressionnante. Quoi, il est bien payé. Et vu que la verrerie, ils ont un peu du mal à bien payer. Ah non. Non, il est allé chercher la population dans la verrerie. C'est pas bon. Il est allé chercher les ouvriers dans la verrerie. Ça, c'est pas bien. Ouais. Porcelaine qui est pas assez... Là, c'est pas assez productif. Faudrait que je me fasse... Ouais, mais non, mais c'est pareil, c'est du pétrole. Le pétrole, je peux pas, j'ai pas... Enfin, on n'a pas encore trouvé, quoi. Au niveau réserve d'or, peut-être falloir que... Ah oui, bah oui, ouais, ça... Ça reste comme ça, mais bon. Le budget va peut-être redevenir normal, hein, les gars. Au bout d'un moment, c'est soit ça, soit un petit impôt. Hein, donc, ouais, on va faire ça. Allez, payer de manière normale. Attends, la petite bourgeoisie, elle va pas être contente là, par contre. Hop, c'est passé du premier coup. Oh, la petite bourgeoisie, elle est pas contente du tout. Là. Pologne. Investissement à l'étranger. Mais je me dis de malice, c'est bien. Ouais, allez, on va faire ça. Est-ce que ça a recruté? Ça a recruté. Très bien, on va continuer. Sur notre lancée. Quand on produit 200... On produit tellement pas assez, putain. 5000! Ah ouais, non mais c'est chaud, là. Arrête d'en produire, toi, aussi, Ça devient compliqué là. Quelques paysans, quelques sans emploi. Pareil, les paysans, on les compte sur les mains, sur le doigt d'une main, quoi. Ils sont barrés. Où est-ce qu'ils partent? J'ai l'impression qu'il faut toujours que j'ai une
que j'ai des emplois en fait, parce que sinon ils se barrent. Routine active, super. Alors, est-ce que je peux améliorer des relations avec le Canada, avec le Siam, mince, et Baroda. Baroda, mais c'est par là, ça, non? Non, c'est pas là. Non, que ce soit là-bas. Baroda. J'ai aucune idée d'où ça se trouve. Ah, ça doit être par là-bas, non? Si, ouais, c'est pas... Ça a l'air d'être par là, hein, non, quoi. C'est pas ça? Il y a plus de... Ils ne seront pas morts en vain. Ah, c'est bien, j'ai une vague d'immigration, c'est parfait ça. Aucun contrôle migratoire, pas d'école. Pour l'instant, c'est con, mais... je sais pas. Si je fais des écoles, j'ai moins de gamins qui y travaillent. Et après, où est-ce qu'on voit ça déjà? Population. Non, c'est pas dans ce type de population là, quoique, j'en sais rien. Ouvrier. Moi, ce que je veux voir, c'est les détails des revenus en fait. Vraiment trois fermiers dans tout le pays. Je sais pas où ça se trouve. Les détails de ce qu'ils gagnent. En fonction du type de population. Migration plus 30. Waouh, 30K annuels. Tu m'étonnes. Il y a du taf en même temps. Putain. Alors. On continue à grandir. Ok, j'ai les wagons en acier, ça c'est bien. Je vais peut-être partir là sur... c'est où le droit de vote, le droit des femmes, féminisme. Ouais, je vais partir sur les droits de l'homme. Je vais voir faire travailler les femmes dans les usines. Ça me fera plus de... Bien coûteux. Mais tu te fous de moi? Putain, tout ce que je produis là. Et c'est le bâtiment qui a le plus de mal à recruter. Alors que j'en produis, mais... Enfin, alors que le prix sur le marché, plutôt... est absolument fou. Je sais pas, c'est pas grave. Ah, tiens, les salaires du centre urbain, tiens, tu m'étonnes qu'ils ont pas envie d'aller y travailler en même temps. T'es mal payé quoi. Allez, on va peut-être faire ça. Tramway public, place de marché. Il deviendra plus rentable, j'espère. Alors. Regarde, méritocratie, surpasse. Ah bah oui, méritocratie, hein.
comprendre, ouais, l'affaire Abyssin. Voilà, c'est le revenu des personnes à charge. Sauf que quand tu vas dans population. Dans la population, j'arrive pas à accéder à ces revenus en fait. Ouvriers font partie de la classe inférieure. Ouvrier exception. Je peux l'ouvrir autant de fois que je veux ça. Je sais pas. Oula, c'est un peu bugué là. Qu'est-ce qui paye cher? Les vêtements de luxe, le vin, ouais, il paye cher quelques trucs. Je sais plus où c'est. Groupe sociaux, ouais, bah allez. Alors, mesdames, ouais, très bien. Ouvrez. Ouais, la liste est détaillée. Population, ouais. Ouais. Ah, voilà. Je crois que c'est là. Personne en charge. Que dalle. Population, hein, main d'œuvre. Revenu net. Voilà, j'aimerais bien savoir de combien sont leurs revenus. Enfin, sont les revenus des personnes à charge. C'est pas mal ça. Voilà. Les ouvriers. Non, c'est pas ça. Hein. Eh ouais, regardez ce que leur donnent les personnes à charge. Hein. Ah bah non, c'est que dalle. Hein. Ah ouais, ça leur donne rien. Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir partir sur sur des lois du type école primaire obligatoire, trucs comme ça. Et là, on sera vraiment pas mal. On a notre revenu également qui a réaugmenté, donc on va pouvoir payer un peu plus les salaires gouvernementaux. Donc les écoles, les universités, les machins. Voilà. Puis on va continuer d'augmenter tout ça. Hein. Objectif tout niveau 5. Puis je les fais un par un, histoire de garder un certain équilibre. Hop là. Population 400 000. Purée, on a doublé la population de base quoi. En 24 ans. 24 ans, doublé la population. La vache. Ça pourrait être sympa si j'arrivais à avoir bâtiment en structure d'acier. Alors, le mieux ce serait bâtiment soudé à l'arc, mais bon. La techno que je recherche déjà, droit de l'homme. On va voir en fonction de la production, etc. Ah, oh, c'est passé. 3 ans, mettons armée. On va faire ça. Plus 15 de capacité de production.
bâtiment d'un secteur de construction, ça c'est bien. Ok, la loi est passée. C'est parfait. Multiculturalisme. Culturalisme. Les aides sociales, on verra ça plus tard. Travail des enfants restreint. Plus 15% de revenus des personnes à charge. Mais il y a une grosse baisse de la mortalité. On va faire ça. Ça, j'ai même pas besoin, j'ai pas de radicaux. Il y a tellement de taf, ils sont pas radicalisés. En fait, ils sont occupés par travailler. Donc, ils s'en foutent du reste. Ils sont occupés à travailler. Par travailler. Oh, ouais. Par contre, ça va être. C'est une galère sans nom, produire plus que ça, ça peut le faire. Pour le reste. Alors, cet investissement dans la production d'une somme de l'île sexy a soulevé les questions de savoir qui revient à la mairie de Rallons. On s'en fout de ça. Les syndicats de travailleurs, ouais, mais ils vont vite me faire chier. Ah, c'est pas méchant, mais. Ah, putain, ça va vite m'énerver ça. Syndicats de travailleurs, ok, bon. Déjà, on va arrêter de renforcer. Voilà. Oula, ça y est, ça bug d'un coup là, il y en a trop dans le cache. On passe à 431 000. Pff, oh là là, bon. Alors, je reviens. Pouce bio. Ok. I'm back. Alors, intervention du grand-duc, blablabla. Oui. Allez. Il est content. Moi, ça me va. Eux, ça leur va. Quelques 100 emplois qui vont très très vite être recrutés. Hop là, ça y est, un niveau en plus dans 3 semaines. Bon, le hop là était un tout petit peu trop en avance. Purée, l'université, la vache, 5 000. Pouf. Alors, on va augmenter quand même sa rentabilité. Ça, c'est bien rural, j'ai 12 fermes de subsistance. C'est impeccablement rien. J'ai un centre d'enrôlement. Ah ouais?
D'accord. Bah, écoutez le mec, si ça vous amuse. Alors, un groupe acclamé d'artistes itinérants est arrivé en Luxembourg, suivi par des centaines de demandes pour que notre généreux gouvernement finance un de leurs concerts. Ouais, ça pue l'arnaque, ça. On aura un peu de prestige en soi, puis j'ai des thunes à dépenser, donc allez, putain. Ils vont être contents. Ah, j'ai quelques radicaux, tiens. Comment ça se fait? Niveau de vie. Être envoyé des bâtiments. Ce sont des choses qui arrivent. Tu as mal fait ton travail, peut-être. Je rigole. Un célèbre dramaturge en faveur de la réforme. En plein débat sur la loi du travail des enfants restreints, l'un des plus grands dramaturges du pays, fortement lié au groupe d'intérêt syndicat de travailleurs, a mis en scène une pièce acclamée par la critique, dont le thème politique ne cache pas le souhait de l'auteur de voir la loi adoptée. Le point de vue de cet homme a beau être biaisé, vous ne pouvez pas contester la beauté de cette prose. Bah ouais. De toute façon, moi je suis pour la loi, donc il peut faire des beaux discours pour cette loi, il n'y a pas de problème. Hein. Pénurie de biens entrants. Ah, j'ai vu un truc là. C'est quoi, c'est le bois dur? J'espère pas. Mais il est cher le bois dur. Hein. Ah ouais! Ah, mais on est presque en pénurie. Vingt-quatrième verré, ah bah, on va vite se faire dépasser niveau porcelaine, là, ça, ça pue. J'en produis combien 1000, putain, 1600 quoi, oh là là, je sais même pas si ça va suffire. Ouais, il faudrait que j'ai plus de secteurs de construction. Mais qui dit secteur de construction, on dit ça me prend des... Ça me prend des travailleurs, quoi. Ouais, on va, je vais tout augmenter là au niveau des technologies dans le secteur de construction. Il faut absolument, absolument plus d'efficacité de production. De construction, je veux dire. Ok, ça c'est bien. Travailler en forêt restreint. Hop, on va faire passer les... Je peux pas encore ici, c'est dommage. Autocratie, j'aime pas trop ça, le fait que ce soit une autocratie. Faire un suffrage universel. Ça apporte beaucoup d'autorité l'autocratie, mais... Moins 5 d'infrastructure. Aïe. Pause. Je vais devoir refaire une voie ferrée. Purée.